Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mais ensemble extraordinaire qui était en continuation. Jeudi 8 avril 2021, avocat Onaville Gonaïve mandé conseil loi de l'an pour prendre sanction contre commissaire gouvernement en chef l'an. Maître Agassius avec substitut commissaire l'an Sifranier Raphaël. Après arrestation qui était faite contre maître Jean-Louis Paul semaine passée, hein, qui s'est collègue nan baro l'autre avocat Onaville Gonaïve. J'en dis là, il y a environ une dizaine d'avocats qui t'a fait mobilisation sous arrestation avec détention maître Jean-Louis Paul qui était arrêté 31 mars 2021 dans l'école nationale Belle font Pierre là dans ville Gonaïve pour séquestration. Dans séance extraordinaire ça qui était animé en pile, il était fini avec un vote côté que une résolution pour ça qui était passé. Hein. Avocat t'a préclamé pour commissaire gouvernement en chef plan avec substitut commissaire hein, t'a pas besoin de sanction pour plusieurs années sans que pas arriver professer métier avocat encore. Conseil l'ordre avocat pral gagner pour délibérer sur qui qualité sanction il apprend contre deux avocats Sayo qui se substituent au commissaire gouvernement Gonaïve Blanc, M. Franny Raphaël, avec commissaire en chef, M. Sarah Gassius, M. Jackson Jack, qui se battu le d'avocat dans le Gonaïve, fait connaître le conseil audio lui-même qui prend le gagner pour statuer sous dossier Sayo après analyse. Nous invitons à côté, battu le d'avocat dans le Gonaïve, M. Jackson Jack. C'était une assemblée extraordinaire qui était mise en continuation. Assemblée ça a été convoquée depuis 1er avril, pas de quorum. Article 49 loi sur profession avocat a dit que lorsque pas de quorum, il doit mettre la continuation à la huitaine. C'est ça que nous avons fait. Donc, je dis en 8 jours, l'Assemblée a été douée décider avec ou sans quorum pour être capable d'adopter une résolution. Donc, comme de fait, l'Assemblée a fait débat, il a adopté une résolution. Et au mandé pour conseil là lui-même capable de prendre des sanctions comme c'est ce conseil là que article 66 loi sur profession avocat qui reconnaît capable de prendre sanction donc conseil là lui-même est entré au délibéré donc il va analyser les faits il va faire suivi dossier pour que capable de prendre telle décision que devoir. Vous parlez de sanctions, sanctions contre qui est-ce exactement? Bon, normalement le commissaire du gouvernement n'est pas subalterne, non. Lui-même, c'est le ministère de la Justice qui est supérieur hiérarchique. Donc, nous pas capable de prendre sanction contre lui. Mais, pas oublier, pour qu'on soit capable de juger, pour qu'on commissaire ou son avocat. Ou son avocat en incompatibilité. Et là, qu'on soit commissaire, là, qu'on soit juge, donc, juge lance gain un mandat, commissaire, là, lui-même, c'est nommé ou nommé. Autorité de nomination capable de révoquer. Donc, comme c'est avocat, laissez-le vous briser tourner dans le barreau. Laissez-le assembler. Donc, vous êtes capable de dire, en ben, avant pour entrer dans le barreau, maintenant qu'il délai, après, vous finissez par commissaire encore, vous pas juge encore, vous êtes capable de venir réintégrer le barreau. Donc, conseil là pour qu'on décide sous sa assemblée amendée. Conseil là pour le chita, parce que le conseil est un conseil de sage que lié. Donc, on va analyser les faits pour voir qui décision qui est possible jusqu'à présent. Mais avocat en question, lui-même tout, est-ce qu'il y a quelques sanctions qui sont capables de prendre contre lui? Oui, je pense que le conseil a été discuté sur ça. Il a tout discuté encore. Le conseil a gagné pour l'inviter au confrère là, pour qu'il soit capable de venir parler avec nous. Donc, pour nous attendre, nous pas qu'à dire comme si nous prenions des sanctions ou pas. Parce que, en réalité, là où ils disent qu'ils ont bagarré au monde, les gars ont gros contre le monde, c'est devoir au conseil là pour qu'ils tendent le monde. L'elfin tendent, alors l'Ipral connaît qui position que l'a gagné après audition. Après délibération au conseil là, est-ce que nous allons procéder à un vote encore? Non, pas un vote encore, parce que l'Assemblée a déjà décidé. Donc maintenant, la balle est dans les pieds des conseillers de l'ordre.
ou t'as écouté, bah, tourner l'autre avocat, ou dans ville Gonaïve, maître Jacques Saint-Jacques. Gain, maître Guy Jacob Latortu, qui s'est conseillé dans le barreau, l'autre avocat, ou dans Gonaïve. Fait qu'on est que, au réuni une assemblée extraordinaire, pour y faire statuer sur une résolution, qu'on ait plusieurs sanctions, et on prévoit contre commissaire gouvernement Gonaïve, là, maître Agassius, avec substitut commissaire gouvernement, maître Stéphanie Raphaël. Sous dossier arrestation, acte détention, maître Jean-Lubin Paul. Maître Guy Latortu, déclaré assemblée et achita sur une seule sanction, qui c'est suspension pendant le reconnaître pour que décision ça capable gain effet pour que son décision de justice. Nous avons plutôt écouté maître Jacob Latortu. Bon, en principe, je dirais alors que nous avons assemblée générale qui était réunie l'ensemble des avocats du barreau de Gonaïve pour nous statuer sur une résolution. Résolution sorti déjà, puisque en fait, il y a plusieurs sanctions qui ont été prévues à l'encontre de substitut commissaire du gouvernement et commissaire du gouvernement. Il y a plusieurs sanctions que la loi prévoit. Donc, l'Assemblée a statué maintenant sur, en sanction les mêmes que le matin, suspension. Donc, maintenant, pour suspension, en fait, il faut gagner une décision de justice. Le barreau, après la grande, on décide, le conseil de discipline, après la grande, on décide. Les décisions, il faut le motiver, comme toute décision de justice, pour éviter que si on fait recours en cassation, pour que la cassation soit capable de mettre une décision. Mais pratiquement, on est là, et j'en débatte, t'es animé, hein? Et puisque vous avez un pile déclaration faite, un pile intervention faite, est-ce que nous passons cette sanction hein, et les prêcheurs quand il y a des années que nous capables de bailler comme sanction? Bon, ça, lui-même, que je ne suis pas capable de décider unilatéralement, parce que dans le conseil-là, nous plusieurs, nous environ 13 ou 11, je ne me rappelle pas trop bien. Donc, c'est le conseil-là qu'on a réuni ensemble, parce que la loi fixée lui-même à 3 ans maximum. OK? Le conseil-là qu'on a un an, qu'on a 2 ans, qu'on a 3 ans, dépendamment de ça, ça a eu décidé entre eux. Bon? Mais il n'est pas capable d'aller au-delà de 3 ans. Il est capable inférieur à 3 ans, mais il n'est pas capable supérieur à 3 ans. Et comme on dit tout à l'heure, comme décision, il faut le motiver. Et du coup, on bande de pièces pour nous réunir ensemble, pour nous préparer des décisions. Et décisions, il faut le signifier maintenant et à deux commissaires autour. Pour que même si vous voulez faire au coup, on fait au coup. Pour qui ça, sanction, nous, dans l'Assemblée, ça nous est que son sanction unilatérale nous prend. Et avocat lui-même, il n'y a pas gagné comme messieurs disciplinaires. Bon, oui, ça, nous-mêmes, nous passons à se souder. Et il y a l'autre barrière tout, puisque il y a des policiers tout qui est impliqué là-dedans, tout, qui étaient malmenés, monsieur, au moment de l'arrestation. Donc ça, lui-même, nous va prendre une décision en tant que assemblée contre des policiers, parce que, en fait, policiers n'ont pas avocat. Donc, il y a des mesures, mettons, disciplinaires, que je vais demander maintenant, moun qui est responsable de la police, pour prendre contre eux. Non, l'intervention que fait, tu as un avocat qui fait qu'on est que, moun qui commissaire là, ne doit pas jamais tourner comme avocat qu'on y a. Il doit monter plus haut, il doit venir commissaire coup d'appel, même juge. Est-ce que c'est pas un perte de temps? Pour moi-même, c'est une mauvaise interprétation que confrère à faire de Texas. Et Texas parle maintenant de plusieurs sanctions. Il parle de radiation. Si c'est radio, des radios là, immédiatement que radio, si ils font recours contre décision de radiation, cassation maintenue, immédiatement cassation maintenue, ou pas qu'à commissaire encore du tout, parce que pour commissaire, on n'a pas aucun esprit. Pas d'incompatibilité là, oui. Puisque on commissaire, il cesse d'être avocat. Il cesse d'être avocat, il y a un avocat qui n'est pas en exercice, qui est en incompatibilité, tout comme même à un moment donné, comme c'est probablement en termes de député. Même de toujours avocat du barreau de Gonaïve, en incompatibilité. Nous parlons pas de politique, pour nous plusieurs responsables politiques avec syndicats, Dieu vous jeter invitation, religion pour la paix, dans le dialogue pour faire rencontre avec chef l'État. Nous estimons son démarche qui entreprend trop tard. C'est ça, coordonnateur Unifos, Paul Denis, qui est ancien ministre de Justice, lui fait connaître que parti l'a dirigé ensemble avec direction politique opposition ZIPOD, que le fait partie n'a pas recevoir l'invitation invitation religion pour la paix pour venir chita dialoguer avec pouvoir en place là. Ancien sénateur Paul Denis estimé, c'est une démarche qui fait non mauvais l'air, vient trop tard, démarche ça, qui pas vraiment bien place là, religion pour la paix à faire. Pour Paul Denis, Jovenel Moïse a quitté le pouvoir depuis 7 février 2021. Nous faisons une invitation indirecte à travers DIRPOD. Vous connaissez une force, c'est une partie composée DIRPOD. Cette invitation, il vient un peu tard. Monsieur Sarr, qui est le Jovenel Moïse, là, qui aujourd'hui est président de facto, crasé pays, monsieur son bluffeur, son équipe a gain de parole, nous recevoir avec intérêt cette invitation de religion pour la paix, mais malheureusement, nous pas répondre positivement à cette invitation. D'autant plus que Jovenel Moïse recevoir ou gagne pour le recevoir, parce que depuis le 17 ou bien le 18 mars, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains vote une résolution l'idée d'une série de balais. Par exemple, on a quitté qu'on dit élection, et la résolution, ça, il dit, condition n'est pas réunie pour élection faite.
en Haïti, avant pour faire élection, un dialogue qui pour organiser entre les partis pour énoncer propre terme. L'invitation de Religion pour la paix est venue à peu près une semaine après cette résolution. À un certain moment donné, il faudra, si nous pas capables d'entrer dans le palais pour prendre pour nous voir aller, nous capables d'envisager une forme. Naturellement, Jovenel Moïse ou pas qu'à faire confiance. Ce monsieur donc qui voulait faire monde comprendre que livre les dialogues, l'international qui soutient ce monsieur malgré tout acte qu'il fait, malgré cette politique de destruction de ce pays, l'international se trouve encore derrière ce monsieur pour lui continuer à écraser le pays. Nous-mêmes, là, Uniforce, nous pas répondre à cette invitation parce que ça, son bagage qui rentrait, le président Jovenel, encourager pour venir faire dilatoire encore, pour faire casser mobilisation, pour, on prenne, nous, ceux qui fait coup d'État, on prenne contre constitution, pour nous, continuer à faire mascarade, lui, encore, avec tout vieux projet, lui, là. Nous, pas rentrer dans mascarade, ça, c'est une manœuvre pour, d'une part, ne pas répondre à la demande de l'OEA, et de deux, démobiliser le monde pour continuer à avancer avec ce projet-là le 7 février pour l'imposer soit sa présence directe ou la présence de monde qui pourra choisir la mascarade d'après Religion pour la paix. Vous avez écouté ancien ministre de justice pays d'Haïti Paul Denis qui dans une force qui croit que démarche Religion pour la paix a fait pour mettre Chita opposition ensemble avec pouvoir en place là son démarche qui vient trop tard. Sur même dossier, n'a pas de plateforme Religion pour la paix pas aucune crédibilité et moralité pour Jérôme mit en jouet dans chita tande pour résoudre crise actuelle pays d'Haïti a traversé journée jeudi sa réposition secteur démocratique et populaire porte parole secteur fait qu'on est toutefois yo prêt pour discuter avec communauté internationale sous départ Jovenel Moïse au pouvoir mais André Michel fait qu'on est pas gagne aucune négociation possible sur article 134.2 constitution les présenter Religion pour la paix tant qu'une institution qui cherche problème et puis qui fait partie de crise là. Maître André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. Cette affaire de médiation de Religion pour la paix, c'est un dossier important. La position du secteur démocratique et populaire est claire. Le secteur démocratique et populaire est un groupe politique d'avant-garde. Nous avons accompagné le peuple haïtien pendant tout le mandat de Jovenel Moïse dans cette bataille pour la démocratie. Jovenel Moïse fait tout le mandat de la presse et pays, secteur démocratique et populaire, nous fait tout le temps nous bon côté peuple. Pas de monde qui a jamais oublié engagement député secteur démocratique là, t'es prêt. Pas de monde qui a jamais oublié engagement sénateur secteur démocratique là, t'es prêt dans le parlement. Pas de monde qui a jamais oublié qualité mobilisation nous fait dans le pays avec le peuple là, 2018, 2019, 2020, et jusqu'à aujourd'hui, la bataille continue. Secteur démocratique et populaire, pas d'abjambe accepter pactiser avec le diable. Nous sommes un groupe de conviction. Et le peuple haïtien peut compter sur le secteur démocratique et populaire dans cette bataille pour le changement de ses conditions de vie. Je veux dire, nous-mêmes nous dit, sous question médiation et les gens pour la paix, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis 7 février 2021. À partir de ce moment, pas rien aucune négociation avec Jovenel Moïse qui possible. Pas rien aucun dialogue avec Jovenel Moïse qui possible. Peuple haïtien, secteur démocratique et populaire, pas négocier et pas jamais négocier sur article 134-2 constitution. Ça nous pas faire. Nous pas jamais faire. Et quel que soit le monde qui fait, ou en contravention avec peuple haïtien. Religion pour la paix n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire une telle entreprise. Religion pour la paix pas qu'à faire médiation. Religion pour la paix charger problème. Religion pour la paix pas jamais prendre position sur article 134-2 constitution. Religion pour la paix pas jamais prendre position. Là où massacrer mon la saline. Les autres tuer mon belle, les autres tuer mon cité soleil. Les autres assassiner bâtonnier d'Orval. Religion pour la paix, pas jambes proposition. Evonie Auguste, qui c'est membre de Religion pour la paix. Ligue mon dans le conseil électoral là. Religion pour la paix fait partie de la crise. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Religion pour la paix est disqualifié pour conduire entreprise de discussion. Et puis autre chose. Le monseigneur Pierre André Dumas, qui c'est, à mon sens, je l'assume,
seul monde dans urgence pour la paix qui gon minimum de crédibilité, bon on parle dans la question dialogue là. C'est monsieur Beauvoir qui a voyé pied la droite à gauche avec l'autre Toyo et les Clément qui a viré etc. C'est seul monseigneur Dumas qui gon minimum de crédibilité. Information bien dans bon timamite, monsieur pas dans bagaille ça parce que monseigneur Dumas comprend que ou pas capable parler de dialogue avec un nèg qui a violé la constitution avec un nèg qui gen mandat fini. Bon, religion pour la paix charge problème. Religion pour la paix met à le porter la caille, il charge la problème. On a écouté maître André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire, qui t'a réagi sur question de dialogue religion pour la paix mandé. Dans le même sujet, qui est syndicat haïtien pour respect constitution, lui-même qui dit, des bouts de invitation religion pour la paix, d'Haïti te voyé, Bali Consal, vous jetez toute l'idée pour t'acheter à parler avec président Jovenel Moïse, Dominique Saint-Éloi, qui s'est membre Kochako, fait connaître plateforme interreligieuse, ça. T'es pour trois tas invitations. Et puis tout, il va te préciser, objectif rencontre là. Il parle tout de objectif syndicat pour respect constitution, qui va accepter participer dans la négociation en bas de table ou encore en bas de religion pour la paix, sans discuter ensemble avec moun que y a marché en dans opposition. Nous invitons à écouter Dominique Saint-Éloi. Religion pour la paix. T'es demandé nos rencontres spontanément. Dans l'après-midi, nous recevons l'aide là, nous voyons dans deux mains, il y a des rencontres là. Nous-mêmes, dans Kochako, nous parlons à faire dialogue sur question de Jovenel Moïse, pour Jovenel Moïse, unité sous pouvoir. Je vais finir encore. Religion pour la paix, va pas objectif rencontre là. Nous préciser, statut nous, dans quatre bagages médiation, nous pas d'accord chita. Nous pas capable alchita avec religion pour la paix sans qu'ils n'ont pas discuté avec représentants marché pour la vie que nous mettez tête ensemble. Moi-même, moi trouvé que l'être religion pour la paix est très audacieux. Religion pour la paix pas oublier que l'idée criée par plusieurs secteurs. Jovenel Moïse, lui mettez tête lui ensemble avec oligarchie haïtienne pour violer droit liberté syndicale. Mandat Jovenel Moïse fini, nous pas accepter à négocier avec qui que ce soit parce que Jovenel Moïse décrié non pas n'en souhaiter à l'Anchita ni négocier parler avec les religions pour la paix sous mandat Jovenel Moïse. Vous avez écouté Dominique Saint-Éloi qui dans syndicat haïtien pour respect constitution qui a préagi sur question dialogue là. Alors que dans la Tibonite là, pour parler de la concertation, la crête à Piro, dans la commune de la Tibonite, André Saint-Louis, il fait qu'on ait un plan pour faire diversion, pour faire temps passer, pour Jovenel Moïse capable sous pouvoir. Comme ça, demander toute organisation de base, pour prendre responsabilité, pas compter sur pièce moun. Président comité d'initiative pour la peine en balade Tibonite là, André Saint-Louis, il a déjà commencé, chita à parler avec diverses entités dans la région, une façon pour démarrer avec mobilisation, pour jeune départ, président républicain, là, Jovenel Moïse. Un reportage avec collaborateur nous, Milsan Madeus. André Saint-Louis, porte-parole, table concertation la crête à Piro, dans la commune de la Tibonite, dénoncer les actes d'insécurité et kidnapping qu'a fait dans le pays, qui mettait en pile famille dans gros difficulté. Président comité initiative pour la paix dans la Tibonite là Kilba André Saint-Louis dit saisir jusqu'à présent président mandat fini Jovenel Moïse toujours dans palais national selon ça dit l'a cherché allié pour faire diversion, pour faire temps passer. Je pour la paix perdre sommeil en tête la batte pour être capable venir à pied et mandat constitutionnel ancien président Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021 et bien journée aujourd'hui dit que il a fait dialogue, il a fait négociation, il a fait médiation, quel que soit Jean au capable de là, non dit que ça, nous grand pile crainte pour que c'est pas temps que religion pour la paix vient faire passer là parce que Jovenel là avec l'équipe criminelle par Lyon, il n'y a pas de respect pour personne militant à travers quatre points pays pour que eux-mêmes soient sous parce que dans ça, là, c'est eux-mêmes qui pour mettre tête de la donne. C'est mobilisation reprend sans point souffle jusqu'à ce que grand monde, ancien président Jovenel Moïse, vienne venir chercher dans le pays d'Haïti pour nous être sur sortir dans sa noyau là. Dirigeant, table concertation, la crête à pied roi, André Saint-Louis, lance appel à tout secteur dans le pays. Pour reprendre sans perdre du temps, pressé, mobilisation, yon façon pour forcer l'équipe HTK quitter par les nationales là. Merci Madeus. N'a toujours parlé de mobilisation pour nos secteurs démocratiques et populaires. Décrété mobilisation générale sur tout le territoire national. D'après Tilon Rémilus, qui croit abandonner bataille Cap-Benella, c'est accepter mettre mon frère Doval par arriver à une justice. C'est d'accord tout pour bandits continuer à kidnapper citoyens paisibles qui déjà
pas même capable de vivre manger dans la société dans le pays d'Haïti. Telon Rémilus, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. Mobilisation, son passage obligé. Et c'est lui qui constitue son pays à Bani comme ZAM pour nous battre. C'est pas connu, nous pas connu ça pour nous faire. Ils traînent souvent sur terrain pour nous faire laisser frapper avec eux. Pour baron étranger, capable de moyens pour entrer dans le pays pour faire occupation. Mais grâce soit à Dieu, nous avons de grands dirigeants qui ont une vision qui peut entrer dans la logique ça. Et nous choisissons pour nous utiliser ZAM mobilisation. Et nous demandons tout côté, tout le monde qui toujours a mobilisé pour nous décourager. Choisir camper sur mobilisation, c'est choisir dire d'accord à kidnapping que le pouvoir a fait sur le peuple. Choisir camper sur mobilisation, c'est choisir dire que d'accord à la mort mon frère Guédoval, que Jovenel dit qu'il mourit à 10h13 et à 10h15. Madame n'y porte vidéo Bali pour dire, chérie, mission accomplie. Hélas, c'était bien justice en Haïti, Martine Morita de Abakot. Dis comme pas mobiliser encore, c'est dit, moi d'accord à policier nous, que Léon Charles voyait en bas à mourir pendant que yo dépassé en pile corps pour yo récupérer matériel et puis corps policier, yo, hélas. Dis que pas mobiliser, c'est dit, moi d'accord, à Gonet qui nous prison, parce que la défense policière par elle, je ne vais pas parler de gangster, je ne vais pas parler de policier. De pour policier à les armes, les tirer sur le policier par elle, lui va policier, son membre, all black, il va policier. Dis que pas mobiliser encore, c'est dit, je ne vais pas comprendre qui bataille dirigeant, opposition en général, et dirigeant secteur démocratique et populaire en particulier. Dit que pas mobiliser encore, c'est dit comme d'accord avec massacre Belin, quatre massacres Belin. C'est dit d'accord pour arrêter le monde de bien, arrêter le sénateur de Nelkassi qui va ville pour bataille ça. Pendant ce temps, Mikado a flané. Pendant ce temps, Babekou fin boule Belin, il tue le monde Belin, il va une conférence de presse pour dire que c'est moi qui fais. Il refuse que le crime non. Dit pas mobiliser, c'est dit nous accepter nos grands goûts. Dit nous pas mobiliser, c'est dit que nous accepter. Délégant de parler national, la mandale pour qu'on finisse. Dis-nous pas mobiliser, c'est dit que nous d'accord pour inculper à continuer tout le monde, continuer kidnapper le monde, nous encourager tout le monde, secteur protestant, secteur catholique, secteur vaudouisant, parce que quand les gens ne vont pas parler de secteur vaudouisant, on va parler de Evoni, parce que Evoni sont damnés. Dis-nous pas mobiliser, c'est digne d'accord pour madame Lalime, madame Sisson, continuer. À humilier le pays d'Haïti à travers, reste avec le palais national là. Encore, nous encourageons tout le monde, tout secteur. Parce que pas oublier, problème pays, il n'y a pas de problème dirigeant. Je dis à kidnapping ne touche tout le monde. Seul PHTK n'est pas touché. Comme nous ne connaissons pas que le monde n'a pas de chance pour marquer PHTK dans le foyer, donc nous avons l'autre ça pour nous essayer mobiliser. Un dossier massacre qui passe dans Belin, Bounzo, il y a environ 13 personnes qui mourent, il y a 7 autres qui disparaissent, mettez sur 4 personnes qui blessés, et puis il y a 22 cailles qui boulaient avec 3 motocyclettes qui boulaient également. Dans le quartier Belin, qui vient de subir 3 attaques dans main, gang Genève en famille et alliés. Depuis, et puis il y a plusieurs dizaines d'habitants qui sont obligés de courir, quitter Jean Sayo, qu'elle dormi sous place, Jean Mas, n'importe où. C'est le bilan réseau national qui a défendu droit Mounio, présenté à travers un rapport, et nous communiqué, nous mettons dehors, NDDH révélé attaque qui fait contre quartier Bel Air, c'est démarré depuis le 31 mars 2021, pour arriver jusqu'à 1er avril. À cause de nos zones, c'est dévié deux cas kidnapping, base cachée du fiat, essayé de faire dans le bloc Bel Air. Après incident, dans sa haut groupe Genève en famille avec allié main tout là qui gagne la dernière plusieurs groupes gang dans Port-au-Prince t'est décidé attaquer moun dans quartier Belin. Jean Doula bilan lourd, il y a 13 moun qui mouri, il y a 7 autres qui disparaissent, il y a 4 moun qui blessés. Nous invitons côté Marie-Rosie Auguste du Sénat, lui-même qui est responsable programmation en dans RNDDH,
la pote précision. Depuis 31 mars 2021, il y a deux nouvelles attaques armées qui ont enregistré dans le quartier Belay. Nous, même au niveau du RNDDH, nous déjà parlé avec 56 victimes des rescapés de différentes attaques. Et par rapport à la gravité de première information que vous partagez avec nous, nous voyons que c'est opportun pour nous justement d'être alerté l'opinion publique là sur ce qui a passé dans le quartier Belay. Selon la première information que vous partagez avec nous, dans la date 31 mars 2021 avec la date 1er avril 2021, il y a deux tentatives d'enlèvement qui fait dans le quartier Belay. Et c'est résident Belay qui empêchait que Mounsayo enlevé effectivement. Après deuxième tentative échouée enlèvement sa yo, eh bien, en date 1er avril, dans l'après-midi, trois gangs armés qui fait partie de G9 en famille et alliés décidaient pour assiéger au Bel Air. Pour y faire ça, ils ont décidé de marcher sur rue Macajou, rue Monseigneur Guillou, avec rue des Fonfort. Et depuis les ça, ils ont attaqué de manière sporadique population ça, qui dans zone ça et qui prit en sandwich. Là, on a parlé de gangs qui dirigeaient par Iskan, Andris qui a opéré dans Belekou, Cité Soleil. On a parlé de gangs qui dirigeaient par Mikanor, Altes alias Wamikanor, qui a opéré dans Wav Jérémy, dans Cité Soleil. Et on a parlé tout de gangs qui dirigeaient par Wilson Pierre alias Tissonson, gang craché d'Ife, qui a opéré dans Rue Saint-Martin, environ Rue Saint-Martin, Jouk Rivé, Rue Montalais. Bilan parcelle attaque sa yo très lourd. Pour Pipiti, nous recensons 13 monde qui mourit assassiné. 7 nan yo mourit 31 mars 2021 et 6 lot mourit 1er avril 2021. Gagné pour Pipiti, 5 lot monde qui portait disparu et gagné 4 lot monde qui blessé. Nous apprenons tout yon lot pas que gagné 22 cailles privées, 3 commerces, 3 motocyclettes qui incendiaient et puis yon machine que bandits ont saccagé. Yon l'autre pas, non a attiré attention tout le monde sur le fait que journée jodia, ça fait troisième attaque armée que Belay subit. Et toute attaque ça yo perpétré par même gang yo qui fait partie de G9 en famille et alliés. Sorti 4 pour arriver 8 novembre 2019, gagné au moins 24 monde qui mouri assassiné dans Belay. Sorti 27 août pour arriver jusqu'à fin mois décembre 2021, gagné pour Pipiti 37 l'autre monde qui mouri assassiné dans Belay parmi yo 7 femmes. Ou t'a écouté madame Marie-Rosie Auguste du Sénat qui t'a apporté précision sur bilan ça que RNDDH fait. L'autre bon responsable programme dans RNDDH là Marie-Rosie Auguste du Sénat fait qu'on est attaqué pour que j'aime camper en dans Belay. Une situation qui la cause toute activité bloquée dans zone dans le commerce, l'école et la trier. Restauration la cap défendre droit mon quoi si la autorité et état major PNH là pouvait une autre fois encore que complice avec Gougam Genève en famille et alliés cap terroriser Mounio en dans Bel Air. Marie-Rosie Auguste du Sénat souhaitait une autre fois encore autorité prendre disposition pour protéger les citoyens qui abandonnaient le quartier Bel Air. Marie-Rosie Auguste du Sénat, t'es dans micro la presse. Je ne j'en dis pas, pendant qu'on a parlé là, gagné attaque armée qui a continué au niveau de Bel Air. Et RNDDH qui déjà parlé avec 56 victimes rescapées de violences ça yo, capable dit que effectivement population ça a vivre une psychose de peur. Institutions commerciales, institutions scolaires pas fonctionner dans zone non. Victimes yo obligé quitter zone yo, y'a le retrouver yo sous place publique ou bien dans l'autre espace qui pas approprié dit tout pour accueillir monde. Donc, il est obligé d'abandonner Kayo. Faut que nous comprenions que c'est une situation qui aggrave niveau vulnérabilité yo et qui s'est tout exposé yo à intempéries. Et non seulement à intempéries, mais à toute l'autre qualité, actes qui a fait attentat à vie yo et à intégrité physique yo. Et tout ça a fait embager autorité l'État yo. N'a pas souligné tout, quartier général, brigade, opération, intervention départementale, Boyd, c'est un dans bel écolier. Et pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, l'étargie au état-major, police nationale d'Haïti, a vis-à-vis de attaque armée que population bel est victime, mettez à silence les sous sa capacité prouver que l'ICE complice G9 en famille et alliés. Face à situation ça, RNDDH a rappelé à l'attention de tout agent, toute agente police nationale d'Haïti qui pas de connivence avec gang armé yo, que yo gagne pour obligation pour yo camper beaucoup de victimes yo. Et c'est peut-être ça
RNDDH a pour recommandé pour faire tout ça pour protéger population Belaya, défendre population Belaya contre assaut G9 en famille et alliés, sécuriser population Belaya par tout moyen et mettre fin à massacre ça yo, à attaque ça yo une bonne fois pour toutes. Ou d'ap koute, responsable programme dans RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat qui t'a parlé sur rapport ça qui est sorti sur Zak qui passait dans Bel Air, sorti 31 mars et 1er avril, quand il y a environ 13 personnes qui mourent, soit par balle, il y a un autre qui mourit en bas, flamme du feu. N'a pas allé dans le sud pays, nous allons rencontrer correspondant nous, Rosbert Adelson, qui dit nous, 133 personnes, la police qui veut arrêter, 2 armes récupérées, 25 accidents enregistrés, c'est bilan ça, que la police baille dans le sud pays pour mars passé. Reportage, Rosberta Denestan, depuis Métropole Sud, dans la ville Okaï. 25 cas accidents enregistrés qui causent la mort 6 mounes et 34 l'autre blessé. 133 mounes jeunes arrestations pour toute qualité ZAC. 125 plaintes traitées, une vingtaine opérations menées, 2 armes saisies et une récupérée. C'est quelqu'un bilan travail la police dans le sud sorti premier pour arriver 31 mars passé à selon porte-parole PNH là dans le sud inspecteur Pierre Yves Lesage qui t'a rencontré avec la presse journée mercredi 7 avril là 25 accidents pour période là il y a 6 monde qui mouri il y a 34 blessés pour la SDPJ il était recevoir 156 plaintes il traitait 125 là d'ailleurs et il y a 2 âmes qui saisit, ensuite il y a 11 âmes qui récupèrent. Pour la BPM, la Brigade de protection des mineurs, il recevra 9 plaintes, 6 cas de viol et 1 cas de tentative de viol. Pour les différentes infractions qui ont été commises pour la période, ils sont au nombre de plusieurs, mais il y a 1 cas d'assassinat, donc arrêté, 16 cas de contrôle d'identité, 29 cas de voie de fait, 4 cas de trouble à l'ordre public, 1 cas de trafic illicite de stupéfiants, 1 cas de vol à main armée, 6 cas de viol, 2 cas de vol de moto, 1 cas d'usage illicite de stupéfiants. En gros, la police a arrêté de concert avec la justice pour ce mois de mars, 133 prévenus. N'ap souliye, soti mois de mars pour arriver commencement mois d'avril là, gen environ 7 individus qui tombaient dans échange coup d'zam avec la police dans cadre opération force l'audio qui visait démanteler gang yo dans troisième ville pays ya. Depuis ville Okaï département sud, Rosberta Denestan, Radio Pyramide. Merci Rosberta, sorti dans le sud, n'a fait un gros traversé pour nous tomber dans le nord-ouest pays. Nous allons rencontrer Saint-Jean-Wissis qui dit nous, l'occasion de 118 l'année, l'homme en tout c'est l'ouverture, soit 7 avril 1103, 7 avril 2021, Front patriotique populaire, une bouche opposition, dans la région nord-ouest là, à travers une cérémonie verte, mandé pour la population haïtienne à continuer, les mêmes flambeaux de mobilisation, bien haut, pour forcer le président de la République, Jovenel Moïse, commandant le bout, depuis 2 mois, soit 7 février 2021, en d'un pays, pour le capable de quitter le pouvoir à tout acolyte PHTK. C'est Jean Whiskis dans le département nord-ouest. C'est dans l'ambiance sans pareil ça, Fonds patriotique populaire, yon branche dans l'opposition dans le département nord-ouest, commémoré 218e l'année depuis que l'on kidnappé yon, te mette yon bout dans la vie pour que jeune garçon ça, tout sa l'ouverture. Depuis les ça, peuple haïtien pas si spon monte yon massufé en bas mais nèg colon noir mélangé à colon blanc qui toujours kembe nation haïtienne nan grand goût insécurité kidnapping gaspillage 12 milliards l'agent CIRH 4.2 milliards comme Petro-Caribé, ensuite, volant toute tête, tout ses ouvertures, capo à la mort, papa de Salinio, by grand don à capitaliste étranger, yon manier pour ça toujours qu'un bébé haïtien, non grand goût, d'après coordonnateur communal Fouan, monsieur Canton Kinsley, qui mandé pour peuple haïtien, continuer qu'un bébé flambeau mobilisation, bien haut, pour forcer monsieur Jovenel Moïse, mandat fini depuis 7 février 2021, quitter palais national à tout acte politique.
pas une loi bien visa. Oui, Haïtien continue à monter au canet. Pardon, on va colon mélanger à colon blanc. Il est de la dictature, il est de la dictature, il est de la continuez Québec à assassiner le peuple là. Mais grevez-vous, insécurité, gaspillage, kidnapping, corruption, ça ne va pas oublier 12 milliards de cobres CIRH là, 42 milliards de cobres Petro-Caribéen. Je veux mourir! Dans ce côté, gavotage, dermalogue, à caravane. Non. Mais mon saillot, je continue, qui des peuples là, nos saletés, et puis tous les peuples là, voler tête sous silhouette. Oh ben Joseph! 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 Porte-parole, Fonds Patriotique Populaire, M. Kelly Dubréis, bon côté pâle, qui t'a réfléchi sous déclaration religion pour la paix, qui veut servir médiation dans la crise qui a brassé la ville pays, mandé religion puis la paix, qui côté le théier, l'équipe PHTK tape marché écrasé, boulé, touillé, ensuite massimine peuple haïtien. Religion pour la paix, je suis une âge de Jovenel Moïse, nous, pas ouais. Bon, qui m'a dit, je suis un peu l'élection avec Patrassin, Jovenel Moïse a fait l'élection, la fait l'élection pour qu'il la paix. La fait élection pour dire la drogue. La fait élection pour mettre du monde à voler, ça va être une affaire, ça va être élection. Mais je viens de dire qu'il n'y a aucune dignité, aucun respect pour la constitution. Je viens de dire pas rien. Je viens de dire que c'est un citoyen que immédiatement la loi est établie. Je viens de dire que c'est un cambao. Je viens de dire que c'est un cambao. Je viens de dire que c'est un cambao. Il joue un paquet de il faut aller comme Pédocalité, et puis on a eu ça, j'ai une dignité pour les faire sur les païens. Au grand peuple, pour nous-mêmes, les païens, pour des motifs avant, il y a un peu de Jovenel Moïse, qui a peine, lui avait dit, il va faire les sur les païens. La faire les sur les païens. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes, les peuples haïtiens, qui sont grands peuples, nous ne pas reconnaître Jovenel Moïse, dans la faire les choses là. Nous voyons seulement pour belle, ensemble avec religion pour la paix, religion pour la paix, c'est au moins tout. Faut être où vous avez dit, devant ce qui a passé dans le pays là, faut être dit tout, faut être pour nous. Quant à porte-parole en après forum, maître Maxo Noël, lui-même tout, t'es vraiment animé, même Jean Akaboukman dans cérémonie Bois Caïman, pour demander la cour souvenance Dakar qui dans la ville au camp, à toute force mystique qui à travers pays, levé campé pour mettre en bout dans règne Jovenel Moïse là, maître Maxo Noël. Assassiné, voyez, assassiné, avec jour, dans le village de Dieu. Et je ne veux dire, moi-même, pas qu'à criminer le village de Dieu. Un grand monde, je ne veux dire, qui est responsable, c'est Jovenel Moïse, mélangé, mettez ensemble avec Jules Joseph, Léon Charles, avec toute l'équipe PHTK alliée et en fédération, c'est le Dieu qui est responsable, et c'est nous-mêmes, en fond patriotique populaire, nous dit, faire respecter. Et nous devons dire, nous devons demander, c'est travail, mobilisation et faire activité, tout ce qui est nécessaire sur notre mystique pour nous mettre Jovenel Moïse de l'Union, parce que Jovenel Moïse, c'est pas là, il y a un conseil, il y a un coup qui va là, c'est craigné pour nous. Mais moi, nous devons profiter pour nous inviter pour la couillon, la ville au camp. La ville au camp. On n'arrive pas. Souvenez-vous, souffrez-vous, patron. Même si vous assistez, premièrement, ça qui fait tout ces ouvertures, même pour traverser, pour traverser, libération comme ça, je vous dis, notre commémoration de 120 ans, ça, nous relève tous ces ouvertures, comme pour tout ce qu'on explique, pour faire orientation, pour faire orientation, pour faire sortir la situation qui est là. Pour faire sortir la situation qui est là. Opposition dans le département nord-ouest finit pour demander la population haïtienne continuer libre, flambeau mobilisation bien haut pour faire échec à la référendum constitutionnel qui danse dans la tête Jovenel Moïse et qui fixé dans la date 25 juin 2021. Saint-Jean Whisky, Sport de Paix, Pyramide FM. Merci Saint-Jean Whisky, n'a pas viré encore pour aller tomber sous Gilles Lagonave pour nous président à l'association Moun Handicapé dans Lagonave, Jésus-Laure Saint-Bert. Fait qu'on est moun handicapé qui vit sous l'île, il y a une grosse difficulté dans ça qui a ouais avec santé, éducation et moyens pour fonctionner dans la question de la mangeaille.
Président association, Jésus-Laure Saint-Bert, mandé autorité concernée pour porter aide qui nécessaire, ben, mounio, dans l'île de la Gonna, particulièrement, moun handicapé. Doré Renol, c'est correspondant à Radio Pyramide depuis Zile Lagonav. En écoutez. Moun kap viv ak yon handicap fizik nan rejon Gonavienne nan genyen an pil difikilte pou yon fonksyone nan plizye domen nou pral site la yo tankou sante, edikasyon ak aktivite ekonomik pou site sa yo selman. Parol, prezident AHGA nan Lagonav, Jésus-Laure Saint-Bert, ki mande tout instans ki konsene yo nan sa sa pou ta pote ke ti asistans pou yo avant sa vin pi komplike pou yo. Saint-Bert, Jésus-Laure, se prezident AAG nan la Gonav. Moi se Saint-Bert, Jésus-Laure, moi se prezident AAG ki se asosyasyon moun handikapè pou la Gonav. Asosyasyon an li travay sou domen moun handikapè la Gonav yo. Rezon an se paske nou wè moun handikapè yo, yo pa gen ken vale nan sosyete ya, ni nan privé, ni nan l'Etat, pa gen moun ki wè yo. Men nou men nan travay pou nou wè koman nou kapab ede moun handikapè yo. Ou yo meprize la sosyete ya. Malge gen kek moun ki komanse kompran koman moun handikapè yo ta dwe viv, men l'Etat pou kou di nou an, sekte privé pou kou di nou an, se sa kwen ap mande avek kelke so a moun ki ap travay nan domen moun handikapè pou yo te koman yo te ka ede nou jwen jwen ed pou moun handikapè yo paske moun handikapè la goun avyo pa bon ditou. C'est là, j'en dis nous là, et handicapé et sous Iléa, et pas passé un bon moment. Dans le moment, mon handicapé n'est pas bon même, il n'y a pas qu'à l'hôpital, il n'y a pas qu'à manger, et tout problème où j'en étais à Haïti, sans blesser mon handicapé qui plus bénéficie, parce que même, il n'y a pas de monde qui a pleuré, mais il n'y a pas qu'à faire rien du tout. Président Saint-Bert, fini pour dire. Genyen kak moun ki trete handikapè yo an paran pov, tandis ke handikapè se moun takou tout moun yo gen kapasite pou yo travay nan tout domen nan praple yo AAG se asosyasyon moun handikapè Lagonav. Depi Zile Lagonav, Doré Renold, Radio Pyramide FM. Nous avons assemblé extraordinaire qui est en continuation à jeudi 8 avril 2021. Avocat Onanville Gounaïve m'a des conseils l'audio pour prendre sanction contre commissaire en chef gouvernement dans la juridiction Gounaïve là. Maître Agassius avec substitut commissaire Sifranier Raphaël après arrestation que t'es faite semaine passée hein, contre maître Jean-Louis Bépol qui s'est collègue dans barreau l'ordre avocat Onanville Gounaïve. Dossier politique, plusieurs responsables politiques avec syndicats, Dieu voulait jeter bien loin, invitation religion pour la paix, dans le dialogue pour faire rencontre avec autorité dans le pays. Il estime son démarche qui vient trop tard, c'est car coordonnateur Unifos, Paul Denis, qui est ancien ministre de justice, qui fait connaître, parti lien avec direction politique opposition, que fait partie à pas recevoir l'invitation invitation religion pour la paix, pour dialoguer avec pouvoir en place là. Alors que pour secteur démocratique et populaire, plateforme religion pour la paix pas gain aucune crédibilité et moralité pour jouer le mit en jouet dans chita attendez pour résoudre crise actuelle pays à traverser journée jeudi. Parole ça a sorti bon côté une dire porte-parole secteur démocratique et populaire maître André Michel. Sous même dossier, un syndicat haïtien pour respect constitution, hein, Dieu même tout, y'a bout d'invitation, religion pour la paix, fait bah y'a au conseil, y'a jeté toute l'idée pour dialoguer avec le président républicain Jovenel Moïse, que mandat fini depuis 7 février 2021. Dans la Tibonite, porte-parole étape concertation, la crête à Piro, dans la commune Trivé la Tibonite, André Saint-Louis, fait qu'on ait gagné un plan pour faire diversion, pour capable faire temps passer, pour Jovenel Moïse qui arrête dans le pouvoir. Conseil, on a toute organisation de base, pour prendre responsabilité, pour compter sur force pour être, pas compter sur pièce moun, pour être capable d'échouquer président républicain Jovenel Moïse sous pouvoir. Parole, président comité initiative pour la paix dans la Tibonite, André Saint-Louis. Dossier dialogue, secteur démocratie, acte populaire, décrété mobilisation générale sur tout territoire pays d'Haïti, d'après Télon Rémilus qui croit
abandonner bataille ça, c'est accepter que mettre mon frère Dorval pas arriver jeune justice. En plus le monde a levé joindre pile cadavre assassiné avec un coup de manchette tête coupée, on mettait du feu sur yo. Activité ça a passé pas trop loin et Croix des Bouquets, une zone marin, un bagage qui t'a soulevé réaction en plus le monde dans la population. Bureau communiqué et bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, quoi groupe a metté un communiqué d'ailleurs, côté le monde, une autre fois encore pour Haïtien yo résoudre un problème yo pendant le souhaité pour gagner la paix, pour rétablir dans le pays, hein, pour capable de gagner une bonne élection. Mais fois ça, faut gagner sécurité pour ni candidat yo, ni monde qui pourra voter yo, ensemble avec l'Islande qui beaucoup capable pour mettre yo dehors. Plusieurs dizaines d'avocats dans la ville de Gonaïve ont été réunis en assemblée extraordinaire hier jeudi dans le local parquet ville de Gonaïve pour prendre une résolution sur arrestation et détention de M. Jean-Libert Paul qui était arrêté le 31 mars 2021 passé. Plateforme religion pour la paix pas gain aucune crédibilité ak moralité pour jouer rôle dans militant jouetlan et puis pour nan chita tande pour résoudre crise actuelle pays a traversé hein, c'est opposition c'est position secteur démocratique ak populaire qui tout profiter annoncer mobilisation a continuer sur tout territoire national là c'est pas le point ça yo ak l'autre nous va développer pour être branché dans pombou et puis après n'tourne nous va rentrer avec les détails information mais avant nous rentrer avec les détails ça cap dominer actualité sport politique là on a regardé le nouveau nouveau commentant à pied dans tout département de Tibonite là respecté à le monde entier pour journée vendredi qui c'est 9 avril 2021 ensemble avec samedi et dimanche. Il y a possibilité pour qu'on bon amélioration dimanche, mais que la pluie cap toujours tomber dans le pays d'Haïti, mais c'est pas tout dans le département de la Tibonite, là, plateau central, zone Sayo, il y a une chance pour pas recevoir une goutte de la pluie. On a regardé tout ça avec Christnette. Bonjour Christnette. Bonjour la jeunesse haïtienne. Bonjour à chaque auditeur, auditrice qui est déjà branché. C'est toujours un devoir pour informer sur la situation temps qui concerne les zones Caraïbes, sous Atlantique, là, mais pour vendredi, samedi, avec dimanche. Jeudi, nous a pleuvé avec temps lui-même, cap toujours gain humidité, mais humidité a contingent diminué, mais activité la pluie haut a toujours là, mais pas avec même intensité. Ni jeudi, surtout au département qui que nous mettez plus focus sur, c'est le Grand Sud. Nous mettez focus sur le Sud, Sud-Est, Nip, Grand-Est. Et côté n'a parlé à tout, gainti activité la pluie de façon isolée par intermittente qui déjà commencé à tomber sous Sud-Est pays. Pour Port-au-Prince, Adson qui entoure Nio, gain possibilité tout pour Port-au-Prince à recevoir ti activité la pluie de façon isolée tout, dans quelques côtés pour Assoya. Pour samedi, eh bien, temps lui-même, à presque même janvier, jeudi, a toujours une activité là, plutôt, ni dans le département sud, sud-est, grand-est avec NIP. Mais à partir de dimanche, a gagné une grande amélioration, côté temps a bien stable, et activité là, plutôt, a bien anti-genre à partir de dimanche. Mais ça ne veut pas dire tout, pas bien dit, activité là, plutôt, de façon isolée. Mais quantité là, plutôt, a bien diminué considérablement. Et pour la meilleure, c'est précaution, zone côte nord, Gonflagonave, à zone côte sud. Soleil, là, il y a pleuvé matin, il y a des départements qui commençaient à poêler à 6h38 et la coucher à 7h03 pour lever dimanche et samedi matin à 6h37 pour le coucher samedi soir à 7h04 pour lever dimanche matin à 6h38 et pour le coucher dimanche soir à 7h03. Température à Vivicole par la journée entre 28 à 33 degrés Celsius en moyenne et la tombée dans la nuit là entre 18 à 25 degrés Celsius en moyenne. Par rapport avec le Grand Sud toujours, qui toujours a bien activité la pluie, nous toujours qu'un avia pour département sud, sud-est, Nip avec Gradas, pardon, côté nomadé avec monde qui habitait dans la zone Malépanje, Boraville, Borivier. Dans Flamon, bien UHM, Direction Générale Protection Civile, Secrétariat Permanent Cap Jérémy avec des asthmes, des mounsayo, mais restez vigilants pour appeler en application toute consigne sécurité habituelle par rapport à l'activité de la PISAYO nous prévoit qui a continué à tomber encore sur le Grand Sud pour aujourd'hui. N'a pas merci équipe là, auditeurs, auditrices, nous te faisons passer un très bon vendredi avec une excellente fin de semaine avec un pile. Précaution, s'il vous plaît. Rendez-vous pas maintenant, si bon Dieu la vie, continuez, bah, nous, autorisation,
te pral pour l'autre semaine. Bon vendredi, bon week-end. Bon vendredi, bon week-end, Christnette, n'apporte avec à l'état information, yo, gen un communiqué qui sorti dans le bureau intégré dans les États-Unis, dans le pays d'Haïti, qui gen tinon jouet li binu, nan communiqué ça, qu'au groupe là, qui composé avec ambassadeur, pays Allemagne, pays Brésil, Canada, l'Espagne, États-Unis d'Amérique, la France, l'Union européenne et avec un représentant spécial organisation État américain yo et représentant des Nations Unies en tout yo exprimé qu'est-ce yo face avec Jean situation a monté situation politique là l'a monté dans pays d'Haïti et côté l'a détérioré chaque jour plus donc situation ça vient rendre que yo gay gros qu'est-ce conformément dans cadre déclaration qui fait 24 mars 2021. Président Conseil Sécurité des Nations Unies, lui rappeler, faut gagner élection libre, juste, transparente et crédible qui fait dans l'année 2021 en Haïti. Et puis tout, les responsabilités autorités haïtiennes pour faciliter participation en scrutin avec plus monde, notamment pour assurer plus toujours possibilité sécurité et candidat avec électeur et mettez d'ailleurs liste électorale qui est pas gain aucun fraud la donne et puis faut lister ta complète toujours déclaration qu'au groupe là qu'au groupe encourager tout temps parti qui gain pouvoir avec crise et pour joindre un consensus qui capable permettre yo sortir avec une solution pour organiser élection dans pays non climat apaisé pendant le mandat instantanément avec acteur yo pour suspendre fait violence comme instrument politique. De l'autre côté, il rappelait à l'autorité autour pour lutter contre insécurité, kidnapping, zak qu'a fait dans pays que traduit devant et puis pour traduire devant tribunal auteur présumé crime ça yo qui commet un massacre qui fait sous Bel Air, massacre qui était fait déjà dans zone et Cité Soleil et La Trier ensemble avec assassinat bâtonnier Port-au-Prince mettre Montferrier d'Orval. Qu'au groupe rappelait que seule solution qui est capable de résoudre problème là c'est haïtien avec haïtien qui pochita ensemble pour résoudre le problème pays d'Haïti. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays à nouvelle internationale dans 30 minutes 63.5 Radio Pyramide chaque jour 9h matin. C'est position qu'au groupe là qui gagne diverses ambassades la donne. Ailleurs un peu le monde levé hier après-midi un peu le monde découvert dans zone marin qui est en commune en Croix des Bouquets trois jeunes garçons qui mouri dans trois jeunes ça yo gagne une yo coupé tête li deux l'autre mouri avec balle et avec coup de manchette tout un peu le monde gagne cassé pour situation ça qui a pas développé dans pays depuis bon bout de temps côté massacrer monde avec coup de manchette à la gueule dans la rue vinn bagarre qui est pour ce qui paraît possible à tel point que même chien te comme c'est attaquer cadavre ça yo yo mandé à autorité yo pour prendre mesure pour freiner gens de zak ça yo dans pays ya. N'importe dans ville Gonaïve plusieurs dizaines d'avocats dans ba ville Gonaïve ont été réunis en assemblée extraordinaire hier jeudi 8 avril 2021 pour prendre une résolution sur arrestation et détention maître Jean-Louis Paul qui était arrêté dans date 31 mars 2021 dans l'école nationale Bellefontpierre dans ville Gonaïve. Ouais, ça que te mettre sous dos et maître Jean-Louis Paul c'est pour séquestration. Une séance en assemblée extraordinaire qui était très animée mais à pile le monde dans tes présents mais il t'a pas fini avec un vote qui était adopté une résolution pour ça qui était passé en côté avocat yo t'a réclamé pour commissaire gouvernement ensemble avec un substitut commissaire tout doué sanctionné pour plusieurs années sans que yo pas capable venir faire métier avocat c'est toutefois yo t'a révoqué dans job yo conseil l'ordre des avocats qui t'a pral tendé d'autres recommandations fait qu'on est que yo pral siéger pour capable délibérer sous déclaration ou bien sous réclamation à avocat yo dans ville en Gonaïve maître Jacques Saint-Jacques qui s'est bâtonnier l'ordre avocat dans ville Gonaïve fait qu'on est c'est continuation séance qui était avotée hein, qui est faite hier côté bon résolution pour demander pour conseil la presse sanction côté pral étudier dossier pour qu'a sorti avec une résolution finale. Nous parlons vite autant des déclarations maître Jacques Saint-Jacques. C'était une assemblée extraordinaire qui était mise en continuation. L'assemblée a été convoquée depuis 1er avril, pas bien courant. Article 49 loi sur profession avocat a dit que lorsque pas bien courant, mieux de mettre la continuation à la huitaine. C'est ça que nous avons fait. Donc, jeudi en 8 jours, l'assemblée a été douée décider avec ou sans courant pour être capable d'adopter une résolution. Donc, comme de fait,
assemblée a fait débat, yo adopté une résolution et yo mandé pour conseil là lui-même capable prendre des sanctions. Comme c'est ce conseil là que article 66 loi sur profession avocat qui reconnaît capable prendre sanction. Donc conseil là lui-même est entré au délibéré. Donc il va analyser les faits, il va faire suivi dossier pour que capable prendre telle décision que de droit. Vous parlez de sanctions, sanctions contre qui est-ce exactement? Bon, normalement le commissaire du gouvernement n'est pas subalterne non, lui-même c'est le ministère de la justice qui est supérieur hiérarchique. Donc nous pas capable prendre sanction contre lui. Mais pas oublier pour qu'on capable juge pour qu'au commissaire ou son avocat en incompatibilité. Et là que c'est commissaire, là que c'est juge, donc juge lance gain ligue un mandat, commissaire là lui-même c'est nommé ou nommé. Autorité nomination capable révoquer. Donc comme c'est avocat, laisse ça briser tourner en bas ou laisse ça assemblée donc ou capable dire en ben avant pour entrer dans le barreau, maintenant qui délai, après, ou fin par commissaire, comme on pas juge encore, ou capable de réintégrer le barreau. Donc, conseil là, pour qu'on décide sous sa assemblée amendée, conseil là, après le chita, parce que le conseil est un conseil de sage que lié, donc après analyser les faits pour voir qui décision qui est possible jusqu'à présent. Mais avocat en question, lui-même tout, est-ce qu'il y a quelques sanctions qui sont capables de prendre contre lui? Oui, je pense que le conseil a été discuté sur ça. Il a tout discuté encore. Le conseil a gagné pour l'inviter le confrère là, pour qu'il soit capable de parler avec nous. Donc, pour nous entendre, nous n'avons pas qu'à pas dire comme si nous prenions des sanctions ou pas. Parce que, en réalité, là où ils ont dit ou ils ont bagarré de gens, les gens ont gros contre les gens, c'est devoir conseil là pour qu'ils tendent les gens. L'elle finit tendel, alors l'Ipral connaît qui position que l'a gagné après audition. Après délibération conseil là, est-ce que nous allons procéder à un vote encore? Non, pas de vote encore, parce que l'Assemblée a déjà décidé. Donc maintenant, la balle est dans les pieds des conseillers de l'ordre. Nous avons des déclarations et bâtonnier l'ordre d'avocat Virgo Naïvlan, maître Jacques Saint-Jacques. Maître Guy Jacob Balatotier, qui est conseiller de l'ordre d'avocat autour de la ville de Naïve, enfin qu'on est, il a été réuni à l'assemblée extraordinaire pour arriver à statuer sur une résolution, côté qu'il y a plusieurs sanctions, qui prévoient, contre le commissaire gouvernement Virgo Naïvlan, maître Agazilis, ensemble avec, une substitut commissaire gouvernement, qui est à maître Sifranier et Raphaël, sous dossier arrestation et détention, maître Jean-Louis Paul. Maître Guy Jacob Balatotti déclaré assemblée chita son seul sanction en résolution, c'est suspension. Pendant de reconnaître décision ça a pour aller gagner en pile la discussion sur lui et faut ressortir avec une décision de justice pour éviter si toutefois t'as gagné cassation qui fait dans le dossier si là. Nous allons éviter autant les déclarations, Maître Guy Jacob Balatotti. Bon, en principe, je veux dire alors que nous avons assemblée générale qui était réunie l'ensemble des avocats du barreau des Gonaïves. Pour nous statuer sur une résolution. Résolution seule si déjà, puisque en fait, il y a plusieurs sanctions qui ont été prévues à l'encontre de substitut commissaire du gouvernement et commissaire gouvernement. Il y a plusieurs sanctions que la loi prévoit. Donc, assemblée a statué maintenant sur en sanction les mêmes que le matin, suspension. Donc maintenant, pour suspension, en fait, il faut gagner une décision de justice. Que Barrois, après la grande, on décide le conseil de discipline a pris une décision. Les décisions, il faut le motiver, comme toute décision de justice, pour éviter que si on fait recours en cassation, pour que la cassation puisse mettre une décision. Mais pratiquement, on est là, et Jean Débat est animé, hein? Et puisque vous avez un pile déclaration faite, un pile intervention faite, est-ce que nous passons cette section, hein? Et les prochains temps, quand tu dis l'année que nous capables de bailler comme section? Bon, ça, lui-même, que je ne suis pas capable de décider unilatéralement, parce que dans le conseil-là, nous plusieurs, nous avons environ 13 ou 11, je ne me rappelle trop bien. Donc, c'est le conseil-là qui va la réunir ensemble, parce que la loi fixe lui-même à 3 ans maximum. OK? Le conseil-là qui va un an, qui va 2 ans, qui va 3 ans, dépendamment de ça, ça a eu décidé entre eux. Bon? Mais il va aller au-delà de 3 ans. Il va inférieur à 3 ans, mais il va supérieur à 3 ans. Et comme on dit tout à l'heure, comme décision, il faut le motiver.
et du combat de pièces pour nous réunir ensemble, nous allons préparer des décisions. Et décisions, il faut le signifier maintenant et à deux commissaires autour. Pour que même si on fait faire au coup, on fait au coup de tout. Pour qui ça, sanction, nous, dans l'Assemblée, ça nous est que son sanction unilatérale nous prend. Et avocat lui-même, il n'y a pas gagné comme messieurs disciplinaires. Bon, oui, ça, nous-mêmes, nous allons se souder. Et il y a l'autre tout, puisque il y a des policiers tout qui impliquaient dans tout, qui étaient malmenés, monsieur, au moment de l'arrestation. Donc ça, lui-même, nous allons prendre une décision en tant que assemblée contre des policiers, parce qu'en fait, policiers n'ont pas d'avocat. Donc il y a des mesures, mettons, disciplinaires, que nous allons demander maintenant, monde qui est responsable de la police, pour prendre contre eux. Dans l'intervention que fait, il y a un avocat qui fait qu'on est que, monde qui est commissaire, là, il ne doit pas jamais tourner comme avocat qu'on y a. Ligue doit monter plus haut, Ligue doit venir commissaire coup d'appel, même juge. Est-ce que c'est pas un perte de temps? Pour moi-même, c'est une mauvaise interprétation que Confrère a fait de texte ça. Le texte a parlé maintenant de plusieurs sanctions. Il parle de radiation. Si c'est radio des radios là, immédiatement que radio, si ils font recours contre décision de radiation, cassation maintenue, immédiatement cassation maintenue, ou pas qu'un commissaire encore du tout, parce que pour commissaire, il n'y a pas aucun esprit.